Wesh les gens, c'est Léon277, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va plus trop nickel. Hein. Là, je viens de courir, j'ai fait. En fait, genre, il y avait un chien qui me poursuivait et tout, c'était galère et tout. Bon, bref, cette vidéo est faite pour une petite balade en forêt. Voilà, on va se balader. Elle va durer à peu près 10 minutes. Non? Ouais, à peu près. Donc on va aller je vais aller voir si il y a un de mes potes qui est là, et s'il est là, je vais voir s'il veut bien faire une vidéo avec moi. Je pense que vous le connaissez déjà. Enfin, si vous le connaissez pas, il s'appelle Blatchy, c'est un pote, voilà, bref. On va aller le voir. Là, je marche dans la forêt parce que genre dans la forêt, en fait, moi je trouve c'est bien de marcher dans la forêt, ça fait genre une petite randonnée et tout. Bon, on est à son bâtiment, le voilà, et juste là-bas là, celui-là. Attendez, je fais un zoom là. Là-bas, là où il y a là le petit arbre là-bas là, c'est juste à côté de la porte. Bref, on va aller le voir. Espérons qu'il soit là, et s'il n'est pas là, c'est pas grave. Donc je vous dis à tout de suite. Donc re les gens, il semblerait qu'il ne soit pas là, ça répond pas. Donc c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire cette vidéo que toi et moi, toi, celui qui regarde cette vidéo, et moi qui fais la vidéo. Donc on va monter par là, attendez. Alors, on va aller par là-bas. Alors, je tiens à préciser que il y a presque personne qui vient dans cette forêt. Surtout pas la nuit en plus. Parce que, genre, j'ai une pote, elle m'a dit, ouais, j'ai cru voir quelqu'un de très chelou derrière le lycée. Parce que oui, le lycée est à côté de la. Le lycée est à côté de la forêt. Et ma pote, elle se baladait tranquillement dans la forêt la nuit. Il était à peu près 22h, elle m'a dit. Et genre, elle a dit, elle m'a dit, ouais, genre, il y a un type bizarre là, dans la forêt. J'ai eu l'impression qu'il me fixait du regard. Et tout, donc, voilà quoi. Bref, j'espère qu'il n'est pas là, parce que cette histoire, elle fait quand même assez flipper. Attendez. Je vais vous montrer le lycée parce que pour que vous vous repérez un petit peu. Le voilà. C'est le lycée, voilà. Là-bas, vous avez l'entrée. Excusez-moi si mon doigt il est énorme, j'ai juste zoomé. Là-bas, c'est l'entrée, là où il y a la bagnole qui passe. C'est l'entrée. Là-bas, vous avez le garage et tout. Bref, un truc assez chiant. J'espère qu'on va pas croiser ce type parce que franchement, c'est... Ça a l'air assez bizarre ce qu'il a fait à ma pote, parce que bref, voilà. Et genre ma pote, elle a dit il l'avait croisé là-haut. Alors on va aller là-haut. Je vais faire une ellipse le temps que j'aille là-haut et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Re les gens. Alors, j'ai pas pu aller en haut parce que j'ai cru voir quelqu'un, et genre j'ai eu l'impression qu'il était armé. Pas avec un pistolet ou un gun ni rien. Genre on dirait un long couteau, vous savez. Un couteau de bouche, de charcuterie là. Et genre il avait un couteau comme ça. Après je sais pas si c'était un carton. Un carton avec un couteau planté dedans, je sais pas. Mais ça faisait vraiment flipper. Il était tout là-haut là, tout en haut là-bas là. J'ai couru, j'ai failli me gameler. C'était chaud. Mais bref, bon. J'ai réussi à échapper à ce truc parce que. Et en plus, ça s'est tourné. Donc peut-être que c'était un. Enfin, peut-être qu'à cause du vent, peut-être qu'à cause du vent, ça a bougé et que j'ai eu l'impression que le mec il s'est retourné. Oh, il y a quelqu'un. Ah non, c'est juste un village. C'est juste quelqu'un qui habite dans ce village. Bon,
Quand je dis dans ce village, je parle pas du village de Minecraft. Ah, la blague de merde. Bon, bref, on va descendre. Et non, là va falloir que je saute. Ou peut-être pas. Bon, je vous rejoins quand je serai descendu. On va aller devant l'entrée du lycée. C'est parti. Donc en gros les gens, alors là j'ai sauté. Et genre j'ai cru apercevoir le mec derrière moi. En fait c'était juste la personne que j'avais vue tout à l'heure. Pas le mec chelou là que j'ai vu au sommet, mais genre une personne. Ferme ta gueule toi. Oui, il y a un chat qui a miaulé bizarrement. Je lui ai dit ferme ta gueule comme ça. Oui, parce que moi quand je tourne une vidéo, je suis très sérieux. Alors voilà. Et aussi j'ai aussi un truc à vous demander. J'ai deux potes qui font des vidéos aussi. Moi je suis nouveau. Donc voilà. Alors j'ai juste un truc à vous dire. Abonnez-vous à la chaîne de Blatchy. Voilà, Blatchy c'est un de mes potes, voilà. Abonnez-vous à sa chaîne, hein, voilà. Ça lui ferait certainement plaisir. Et ta mère toi, j'ai fait tomber un truc, mais bon, je sais pas ce que c'est. On dirait un truc pour les horaires de bus du lycée. Bon, bref. Voilà. Et bah genre si genre il fait des vidéos, il a fait une vidéo avec son chat qui fait des conneries avec une chaussure ou un truc dans le genre. Et abonnez-vous aussi à la chaîne de The Leaders 92. C'est un de mes potes aussi, il est d'ailleurs dans ma classe. Et on va peut-être faire une vidéo, je vais peut-être faire une vidéo avec lui la semaine prochaine, sur ma chaîne bien sûr. Et voilà. Et peut-être que lui aussi va faire une vidéo. Bref, voilà. Donc, nous voici devant le lycée. C'est très chiant. Je suis en quatrième, voilà. Dans 2 ans, j'aurai peut-être sûrement dans ce lycée. Et j'ai pas trop envie. Bref, bon, je vais arrêter la vidéo là parce que sinon... Je vais me faire choper par tous les autres, surtout que j'ai des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui n'aiment pas mes vidéos. Bon, je vais vous dire aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Team Vidéo. Il y a aussi Team en plus, voilà. Abonnez-vous aussi à Laura Meski, voilà, elle fait des bonnes vidéos. Comme Junior TV. Il y a un pote qui m'a appelé. Comme Junior TV, les Parodies Bro. Et tout cela, bref. Sur ce, je vous dis salut, je vous aime, bisous, mouah!